maintenant. Et tu as commencé au cours prénataux. C'est à partir de là que, je dirais, l'idée de discuter en groupe sur nos petites bébites et tout ce qui peut se passer comme appréhension d'abord de devenir père, puis ensuite les appréhensions qu'on peut avoir une fois qu'on l'est, devenir père. Je me doutais bien que ça permettrait de ventiler un peu puis de se rendre compte que on vit tous sensiblement les mêmes choses, donc ça normalise la situation. C'est pas des titres d'atelier sur comme des formations collégiales ou universitaires. C'était vraiment centré sur l'être, sur le cœur, sur les émotions du père à l'arrivée d'un enfant, parce que Dieu sait que ça vient bousculer beaucoup d'affaires chez les hommes d'avoir un enfant. Quand on leur donne la plénière qui puisse s'exprimer, c'est super fascinant de les entendre. On est des pères qui vivent tous à peu près la même chose. Donc c'est comme le bon timing. Puis pas nécessairement avec nos collègues de travail qu'on peut parler de la même chose parce qu'ils ne vivent pas la même chose que nous autres en même temps. Mmh. Et puis là, l'ambiance est bonne en fait. C'est ça aussi qui nous met en confiance puis nous permet de raconter ce qu'on ressent sans aucune gêne. Et puis ça a été même dit au début du cours, il n'y a pas de jugement entre participants. En fait, tout est très clair. Donc, c'est ça qui est appréciable. Parce que vu que pas, on est d'une société qu'on demande à ses parents-là d'être performants. De toujours arriver à livrer la marchandise, puis même encore plus. C'est qu'à un moment donné, ce qu'on veut, c'est de réduire le stress. Parce que plus qu'on est stressé, plus qu'on est angoissé, plus qu'on est en mesure de commettre des erreurs. T'sais. Ça fait que si on peut réussir à intervenir en amont au lieu de sur le top de la montagne, on peut éviter peut-être, à un certain moment donné, moi j'y crois, des épisodes de violence conjugale. On peut éviter des ruptures, on peut éviter plein de trucs, on peut éviter voire même certaines maladies qui peuvent devenir psychosomatiques chez l'enfant ou la conjointe. T'sais, on parle des enfants, t'sais, nos enfants, nos bébés, mais c'est pas non plus axé que là-dessus. On parle aussi de tout l'environnement, on parle de la belle famille, on parle de notre famille, on parle de nos amis aussi à côté. On parle de ce qu'on vit aussi nous en tant que père. Et je pense que c'est vraiment bon parce que c'est. Ça fait du bien là, c'est comme on se retrouve comme dans une taverne, comme disait.